Regarde ce que j'ai fait pour toi sur mon ventre. Qu'est-ce que t'as regarde fait? Mon ventre. C'est quoi? Et bienvenue tout le monde. Aujourd'hui nous nous retrouvons, nous sommes bien sûr avec Luffy. Salut Luffy, ça va tranquille? Donc aujourd'hui les mecs, eh ben, j'ai décidé de relancer un petit Atlas, ça fait super longtemps. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît le jeu, c'est tout simplement un arc copié-collé les mecs avec un skin de pirate. Hein. Franchement, ni plus ni moins. Et moi j'aime beaucoup le monde de la piraterie, et du coup je trouve que ça apporte un petit peu de fraîcheur par rapport à Arc. Tu trouves pas Luffy un petit peu là, tu vois? Bah oui, oui. Cascade et tout là. Ouais, on apprécie bien la piraterie, ouais. C'est un réel plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour connaître la suite des aventures, comme toujours. Et puis n'oubliez pas le like les mecs, bien évidemment. Et si vous cherchez Atlas ou bien un autre jeu, ça se passe sur G2A dans la description, code JOLAT. Donc comme Arc, bien sûr, hein, va falloir tout gérer, hein, la faim, la soif. C'est Arc les mecs, version pirate. On peut déjà crafter une hache au début, donc ça c'est cool. Ouais. On n'a même pas besoin de ramasser, bah si, il faut ramasser un petit peu de bois quand même. Et puis des cailloux sur la plage aussi, parce que ouais. J'ai essayé de frapper un caillou à main nue, ça a fait mal. Les pierres, bah pareil, ouais. T'as vu, t'as des petits coquillages et tout. Tu peux ramasser les baies, tu ramasses de la paille, t'as vu? Ouais, j'ai vu, ouais, j'ai ramassé un peu. Ouais, ouais, c'est vraiment, c'est bien fichu. Hein. Moi, je mets dans la résistance déjà. Ouais. J'ai débloqué les outils de base et puis un espèce de bandana. Les vêtements, en fait. Ouais, j'en ai mis un petit bandana, moi. T'as mis un petit bandana déjà, toi? T'as vu, t'as des petits poulets et tout, machin, nana. Bon, juste, va pas y avoir de dinosaures. Moi, je pense pas. J'espère parce que ça serait un peu bizarre. Quoique, attends, c'est possible. Je ramasse quasiment rien avec la hache. Ouais, bah. Que ce soit pour les arbres ou pour les cailloux par bah, contre. Avec après, la pioche, c'est la hache de base. Hein, tu ouais, vois c'est sûr. Je fais un petit feu de camp. On pourrait, ouais. On ouais, se fait ouais. Une maison, je fais un bateau. Ah, un bateau, cochon. La piraterie n'est jamais finie. Attends, un bateau, bien évidemment. Là, ça y est, je commence à me mettre bien là. Donc là, la grande différence avec Arc, déjà, une des grandes différences, c'est qu'en fait, on va pas pouvoir boire dans la mer. Regarde, viens au village, cochon. Tout le temps, quand tu vas dans les villages, t'as un panneau avec marqué Water. Tu vois? Ah ça ouais d'accord. Water. Water. Okay. Et ben tu vois, tu suis la direction. Tac. Ah c'est pour la grosse tête là. Voilà c'est ça. En fait il te donne la direction de l'eau douce. Voilà du coup il y a que là que tu peux boire en fait. Ouais, peut-être qu'on va trouver d'autres sources d'eau douce. Trucs, ouais. Bah peut-être, je sais pas, j'ai jamais été assez loin. je sais pas du tout. Ah oui d'accord et c'est un bassin entier quoi. Voilà et là là ici. Ah oui du coup voilà. Si on fait notre maison à côté comme ça on pourra extraire l'eau d'ici au pire en attendant. Bah... Parce que là, le bateau, bon, ça a pas l'air d'être pour tout de suite, du coup. Non, je pense pas que ce soit pour tout de suite le bateau, hein. Clairement, là, voilà. Autant faire une petite maison sur la plage, ça là, te dirait, là, c'est pas pour tout de suite. On pourrait, hein. Là, j'ai déjà fait une petite hache, mon gars, déjà. J'attaque, Luffy, j'attaque. Vas-y, vas-y. Ah, c'est vrai que tu ramasses pas beaucoup. Je t'en tiens pas, vas-y. Putain, ouais, tu ramasses pas beaucoup avec la hache, mon gars. Ah, mais non, c'est parce qu'en fait, tu peux faire une hache en silex. T'as pas besoin d'attendre le fer. Il y a une hache juste avec du silex. Elle est où cette fameuse pioche là? Tu peux la crafter déjà d'entrée de jeu? Bah, je pense qu'il faut, il faut augmenter quelques niveaux. Moi j'ai eu le niveau, j'ai débloqué les constructions et du coup ça m'a fait. Ça m'a mis ça dans. Putain, mais toi t'as déjà la pioche et tout quoi? Bah, je suis niveau 3, écoute. Il y en a qui bossent. Bah, putain, je suis niveau 2 moi gros. Oh, ce serait tellement terrible mon gars, partir à l'aventure avec les bateaux pirates et tout là. Oh! Tu nous vois? Oh là là, je nous vois. Vous nous y voyez là? Et tu sais ce qu'il faudrait d'abord? Ouais. Il faut tuer des animaux. Ouais, et ben tu sais quoi, regarde, ça tombe très bien parce que déjà je vais faire une lance. Regarde, il y a une bouteille là, Luffy. Ah oui, d'accord, je vois, on dirait une bouée. Vas-y, si tu la ramasses, tu vas voir. Normalement, tu vas avoir une carte au trésor. Collect trésor map. Alors attends, fais voir comment ça se goupille les cartes au trésor. Normalement, tu la mets dans ton inventaire. T'appuies sur 4. Et donc, mais si. Mais non. En fait, t'appuies sur clic droit pour voir l'emplacement du trésor. Ouais. Et ouais, clic gauche pour bon. Voir ta map. Oh, oh, regarde. Oh putain, j'ai vu un gros corbeau, mon gars. Oh, le père Sanglitar, mon gars. Il est énorme. T'as vu? Énorme. Oh, ouais, il mange bien la cantine. Ah bah, de ouf. Et coucou. Ah. Hein, mon coco. J'ai retrouvé la tortue. Enfoiré, bah, il s'est barré. Coco, il s'est barré. Il m'attaque, gros. Ah ouais, par contre, fais gaffe. Il m'attaque. Il m'attaque, mon gars. Tué. Je te jure, putain, il se rebiffe quoi. Ah, il est rancunier l'enfoiré. Ah, parce que, attends, mais ça va, c'était une chatouille, mon coco, c'est bon, c'est rien. Putain, comment ça, il se rebiffe, mon gars. Je ramène de la viande de perroquet. Ah, ça, c'est bien, ça. C'est sûrement un mets délicat, tu vois. Ah, on a de l'intelligence aussi, ça sert à quoi? Ah, c'est pour fabriquer rapidement. Ouais, ça sert à rien, l'essentiel dans ce jeu-là, c'est d'avoir des gros bras et d'avancer sans rien comprendre. C'est l'essentiel. Voilà, l'essentiel, c'est de tout taper. Mets tout dans les muscles. Alors déjà, moi, je peux faire une gourde. Ça, c'est bon. Ah, d'accord. Alors, soit on déverrouille les constructions, soit on déverrouille... Ouais. Ce qu'on veut, mais le combat. Donc, on va plus être sur les armes et tout. Naturalisme, donc c'est tout ce qui va être récolte, fabrication de nourriture. Bah, mon vieux. Ah,
Vas-y, je vais faire. Ah bah mon vieux, putain, mais c'est pas vrai ça, bordel. Je vais remplir ma gourde. Ah, t'as une gourde. Ah bah moi j'ai fait une gourde, mon gars. Bien ah sûr. Ouais, gourde. Ah ouais, ah carrément, ouais, j'en fais une aussi. Bah okay. C'est comme ça que ça marche. Je l'ai rempli. Ah, je peux faire un atelier. Ah non, il nous faut du métal. Je crois que je l'ai rempli à fond. Par contre, je peux me faire de belles chaussures. Ça, je ne vais pas hésiter. Ah oui, ah bah moi je me suis fait des belles chaussures aussi. Y'a un singe. Arrête. C'est pas vrai. Il est mort. Tu fais que ça dans les mains. Fais le bisou. Fais le bisou au singe mort. Ah oui, le pauvre. Mais allez, non. Hop, c'est de la viande. Ouais, bah, c'est de la viande et on a faim. Ouais, c'est on est, vrai. Faut, voilà, on est obligé de, on est obligé de survivre nous. Je veux mettre dans la résistance, moi. Prime moi, j'ai mis dans l'endurance, moi. Parce qu'en vrai, j'ai plus chaud, donc en vrai, c'est pas comme genre dur. J'ai fait une pioche, mon gars. Voilà, okay. Là, on va commencer à être bien, les mecs. Elle est efficace de ouf, la pioche, mon gars. Hache en silex, vas-y, je la fais. Ah ouais, mon gars, ça change la donne avec la hache en silex. Hein. Et encore, attends qu'on ait les outils en fer. On n'est pas arrivé là encore. Peut-être n'y arrivera-t-on jamais, d'ailleurs. Ouais, écoute, faudra déjà savoir comment on obtient du fer. Si ouais, c'est comme Arc, c'est faut clair. Trouver des petits rochers, mais... Ouais, c'est ça. Alors là, tu vas être jaloux, là. Alors oh non. Mais non, mon gars. Quand il y a un problème, je peux pas utiliser la lance en même temps. Attends. Je peux pas mettre la lance dans un autre slot. Fibre peau. Ah, il me faut de la peau. Il me faut de la peau et de la fibre. Est-ce que je me tente le gros père sanglitard, mon gars? Bah, on se le tente à deux, si tu veux. Je suis un fou, il est là, là. Vas-y, vas-y, on se le tente à deux. Ouais, celui-là. Il est niveau là-bas. 16, vas-y, hein. Vas-y, attends, j'arrive. Moi, j'ai 4 lances, ça devrait suffire. T'es prêt? Il a combien de vie? Est-ce qu'on voit sa vie? Non, on voit pas. Un, vas-y, quand tu deux, veux. 3. Allez, vas-y. Oh, oh, oh oui, on le défonce. On le défonce. Ouais, ça va, ça va, ça va. Un. Ouais, yes, allez, nickel. Ouais, défoncé. Parfait, mon gars. Oh, là. Oh, on gagne de la fourrure et des os. Ça, c'est bien. Putain, on se met bien, là. Maintenant, j'ai ramassé assez de peau, là. Ah, je peux faire l'arc, mon gars, c'est parti. Mission du jour, c'est pouvoir se faire un atelier, parce qu'en vrai, je crois que tout découle de l'atelier. Ce serait énorme. Et pour l'atelier, il nous faut 20 de métal. Même les sangliers, je suis sûr que je peux me les péter solo, mon gars. Il est niveau combien? Niveau 8, je peux me le péter solo, mon gars. Oh, non. Je peux pas. Ah. Non, t'es mort. Bah non, je suis pas mort, mais je cours. Gros, j'arrive. Je vois les dégâts par là. Ouais. Attention. Il me tape, mon vieux là. Il me pique. Hein. Il vas-y, me pique vas-y, les têtes. Vas-y. J'ai pas de. Mais attends, il a combien de niveaux? Mais je sais pas. Vas-y, viens dans l'eau. C'est mort. Je peux rien faire. Ah, ils sont deux. Je peux rien faire. Je vais dans l'eau. Je vais mourir. Viens dans j'en l'eau. J'en tue un au moins. J'en tue un. Viens dans l'eau. Mais je suis mort. Mais ah, non, attends, je lag. Non, mais c'est parce que ça lag, oh ça lag trop là. Oh, putain, ouais, j'ai fini par mourir. Mais non. J'ai dit. À niveau 44. Viens dans l'eau, le fils. Attends, t'es où? J'arrive, je rentre à la maison. Ouais, bon, par contre, au niveau des crafts, putain, faut vraiment se pencher hein, pour voir ce que c'est. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, parce que c'est vraiment gris sur gris. Alors... Ah, j'avoue. Hein. Nouveau niveau disponible, je vais rajouter un peu dans la fin. Voilà, dans le poids. Mais je t'ai dit, j'ai vu un coffre au trésor tout à l'heure là. Bah, vas-y, c'est... Mais ouais, mais on a pas de pelle. Il faut une pelle pour le non, tirer. Non, mais c'était pas. Viens voir. Elle est où la base? Alors, la base, c'est quoi ce truc? Je sais pas. Oh! C'est quoi ça? C'est un poulet de feu. Un poulet de feu. Une mouette. Ouais, vas-y. Une mouette la alpha. Mouette de l'alpha. Vas-y. Une mouette alpha. Elle a trop de vie. Non, genre. Je vais mourir. Arrête, va-t'en. Va-t'en. Je vais dans l'eau. Va dans l'eau. Moi, j'ai rien. Ah, je suis mort. Mais non, sérieux. Ah, la mouette, elle m'a déglingué. Même pas, je l'attaque. Elle est niveau combien? Bah non, bah, mais n'essaye pas. Elle est niveau 16. Sauf que comme elle est alpha, elle est niveau 32. Elle est niveau 32. Ah, c'est la mouette alpha qui est 32. Ouais. Ok, bah je suis mort à cause de l'autre. Gros, bon, même pas je l'attaque. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est Marie-Madeleine Super Saiyan, celle-là, mon gars. Viens voir le coffre au trésor, où je vais le chercher, là. Oui, pardon, ouais, j'arrive. Regarde, il est là-bas, cochon. Attends, faut que je récupère mon stuff, du coup. Ouais. T'as la mouette alpha, mon gars. Vas-y. Ah, je te dis, c'est un coffre au trésor, mais... Oui, bah ça doit l'être, hein. Ça vu comment ça brille. Ça doit l'être, hein. C'est ça clair. Ça doit dire qu'une chose. Peut-être du métal. Oh, attends, oh, y a tiens, des... regarde, t'as des trucs des là. Des caisses là. Est-ce qu'on peut pas les casser pour avoir des choses? Non. Non, ça se casse pas. Ils sont gentils les poissons là. Ouh, j'espère. Ouais. Normalement, oui. Oui, à mon avis, faut pas trop les chatouiller, je pense, hein. Bah, si les gros là, j'en ai frappé un tout à l'heure. Il m'a rien fait. Il s'est laissé faire. Donc, alors, c'est quoi ça? Eux. Alors. Accéder à l'inventaire. Oh. Y a quoi? Un ah bah, plan voilà. Pour un truc de bois. Je prends. Bah, je prends du tout. Poisson gros. Cuit, vas-y, prends du poisson pièces cuit. D'or, hein. Des pièces d'or. On peut pas tout prendre d'un coup. C'est quoi les lettres? Si tu peux, il y a une flèche à droite. Ah là. Ouais, des patates. Des patates, ça c'est bien, on va pouvoir les planter peut-être. Ah ouais. Allez, mon gars. Peut-être tu nages tellement bien, mon gars. Tu fais la planche en arrière là. Tu flottes avec tes deux bouées là. Je flotte. Ah ouais. Je suis obligé de les mettre comme ça, sinon je me retourne. Hop là.
Tu flottes bien. Merde. Ça, ça marche bien. Et t'as vu, elles sont grandes les îles quand même. Hein. Franchement, elles ont l'air d'être balèzes. Hein. Il y a ce qu'il faut pour visiter. Et puis du coup, s'il y en a plein comme ça... Je te dis, la map, elle est énorme. Énorme. Ah, je crois que c'est beaucoup plus grand que Ark, mon gars. Par contre, c'est que des îles, quoi. Là-bas, t'as vu, il y a un espèce de truc avec une cascade et tout. Ça ressemble au point comme la grosse tête où il y a de l'eau douce, là. Ok, avec un espèce de pont, là, mais... Ouais, on voit rien, gros, on voit rien. Ah, d'accord. Au début, t'achètes des petits bateaux. Et ouais. Après, tu peux fabriquer d'énormes structures pour fabriquer tes propres bateaux. Mais non, je vais l'acheter. J'y vais, mon gars. Attends, je vais me faire la mouette, tiens, pour fêter ça. Une mouette niveau 16. Ça va, c'était pas un mal alpha, c'est bon. Ah, je la vois, la mouette alpha, mon gars. Elle brille tellement de mille feux. Elle fait des petits coucous. Ah, ouais. Elle a l'air bien gracieuse, celle-là, mon gars. J'ai pas trop envie de lui frotter. Alors, ça dit quoi, là, le bateau? Ah ouais, ok, d'accord, ça doit être lui, là. Oh, crew Recruiter. C'est lui qui vend le bateau ou quoi? Ah, d'accord, on peut le choisir en membre. Je crois que c'est là que t'achètes le bateau. Oui, certainement. Ouais. Ah, ça va, gros, ouais. 40 bois, 45 fibres. Ouais, mais moi, j'ai regardé le gros. Autant 60 branchages. Ah ouais, le gros? Ouais, le gros, là, tout. Le gros, il coûte cher. Hein. 75 de peau et 225 de fibres. Bah, on va se faire le gros. Hein. Peau, j'en ai... Ah ouais, j'en ai 8. Ça se fait, ça, on chasse des... Ouais, ça se fait. Moi, il manque juste la fibre et la peau. Wow. Oh, je vais me faire niquer, gros. Oh, ça là, c'est bon, j'ai niqué le sanglier. Oh là là. Ça m'a fait peur. Ah, mais à un poil de cul. Hein. Un poil de cul et un petit poil de cul. Hein. Ah oui, en plus. Ah oui, en plus. Un petit. Attends, tout à l'heure, je vais me faire grailler par un requin, gros. Ah ouais. Je pars trop loin dans la mer, là. Ouais, mais moi, dès que je vois des trucs qui brillent, je m'approche. Ça t'attire. Bah ouais, ça m'attire, gros. Regardez là, la cigogne, là. Non, c'est pas la cigogne, c'est quel animal, là? Oui, la pie, voilà, la pie. La pie voleuse. Bah ouais, plus ça va, plus il y a une bouteille qui brille au loin, alors moi j'y vais, je me retrouve au large, tu vois. On va pouvoir faire le gros bateau. Hein. Ah, d'accord, on peut acheter des gens. En fait, pour 5 pièces d'or, tu peux engager quelqu'un sur ton bateau. Ouais, tu peux recruter. Ouais, c'est ce que j'ai vu. D'accord. Ouais, tu peux recruter. Oh là 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 là. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as trouvé? Je viens de trouver que. Mais non. Il reste. Arrête. Va, alors... C'est pas vrai. ouvre ton inventaire. J'ouvre mon inventaire, ouais. Ouais, ouvre ton inventaire. Va dans l'onglet compétences, tout en haut. Compétences, ouais. Tu vois tout ce que tu améliores, là, depuis tout à l'heure. Bien sûr. Ouais, il y a... C'est sympa. Il y a survivalisme, il y a construction. Voilà. Bah, j'avais pas vu tout ça, moi. Ouais, mais moi non plus, je viens de le voir. Et là, quand je vois tout ce qu'il y a... Ah ouais. Améliorer. Quand je vois toutes les catégories, je me dis bon. Par exemple, les bases de navigation. En fait, c'est pour ça qu'on débloque rien. C'est parce qu'en fait, chaque truc de base survivalisme, tu peux débloquer d'autres onglets. Et du coup, tu débloques la cuisine, tu débloques. Et en fait, c'est les trucs à 10. Ouais. J'ai appris la maîtrise des bêtes, mon gars. Ah là 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 là. J'ai appris la maîtrise des bêtes. Il faut du bois 250, des fibres 225 et de la peau 75. Je peux le faire. Est-ce que t'as tout? Allez, je le fais, mon gars. Ouais. Allez. C'est bon. Premier bateau, on va pouvoir explorer là. Oh, il est là. Ouais, ça. Ouh, ça la gagne. On peut le nommer. Bon, écoute, attends, pour l'instant, on va le nommer après. Regarde, on a un bateau, gros. On a un bateau. Ah là 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 là, c'est magnifique. Je monte dedans, compagnie. Ah ouais. Ok, d'accord. Je suis le chef. Chef. Exclure. Promouvoir admin. Ah ouais. Tu es admin. Transférer tous les droits. Je t'ai transféré tous les droits. Ah non, non, non. Hey. Non, 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 non. Ah, je suis le chef. Alors je te mets admin. Ah putain, l'enfoiré, je t'ai passé mon grade. T'as ce capitaine. Je suis l'essayant du coup. Comme je suis le capitaine, tu vas piloter le bateau. Et moi, je te regarde. Bon, écoute, je serai le moussaillon alors. Ouais, il y a une échelle là, à l'arrière. Tu peux faire E contre l'échelle. Ah ouais, yes. Oh là là, terrible mon gars. Maintenir plus d'options. Détruire, jeter le navire. Jeter l'ancre, option navire. S'aborder, détruire navire. Accéder aux propriétés du navire. Abandonner, option groupe du navire. Alors, moussaillon, déployez-moi la voile avant. Mais non, genre, tu conduis là? Ouais. Ouais, mais elle est où la voile? Ah, bah elle est là! À l'avant et à l'arrière. Ah non, il y en a une à l'avant aussi. Faut la déployer, non? Ouais. Tu la déploies comment? Ah ouais, excellent, mon gars! En fait, t'appuies sur E sur le bas et. Terrible! Et voilà, on est parti droit vers quelque part. Droit vers un. Ah, regarde, on voit le. En haut à droite sur le bateau. On voit la flèche du vent.
Ouais. Ah et ouais. On voit la position des voiles. Ah ouais. Et du coup, on peut tourner les voiles de droite à gauche. Ok. Donc en fait, faut les mettre dans. C'est un peu comme Sea of Thieves, faut les mettre dans la même direction que le vent. Ok. Là, par exemple, orienter les voiles. Attends. En fait, tu peux. T'es pas. Tu soit tu utilises le menu, soit t'appuies sur E juste vite fait. Et en fait, ça t'accroche à la barre et après tu peux faire ZQSD pour déployer et tout. Oh, regarde ce qu'il y a devant. Ouais, mais ma voile, elle est complètement. Elle part complètement à l'ouest, hein. Attends, je vais la régler. T'arrives pas à faire. Ah bah ça y est, ouais. Okay. Ah mais t'as pas. T'as changé tes. En fait, faut appuyer juste une fois sur E. Non. Ouais, c'est ça. C'est quand que je reste appuyé, moi. Ah oui, appuyé. D'accord, t'étais dans les menus. Vas-y, tu peux la mettre un peu sur la droite. Là, on va vers. Je sais pas trop ce que c'est, ça, mais. Ouais. Ça m'a l'air. Oh, gros, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est des créatures? Ouais, non, à mon avis, on peut pas. C'est des bateaux fantômes! Ouais, tourne! Vas-y! Tourne, cochon! À mon avis, on peut pas s'y frotter à ça! Regarde-moi ça, c'est quoi, c'est des créatures des enfers. Des créatures marines, c'est mon gars. Mais en fait, on dirait des bateaux, mais des bateaux aliens. Ouais, c'est des bateaux, genre des bateaux fantômes ou quoi. Ouais, c'est énorme. Et je crois qu'ils nous ont vus, ils viennent vachement vers nous, là. Tu crois? En fait, on dirait qu'ils protègent un truc, là, au centre, il y avait... Ouais. Attends, vas-y, on va s'en aller. Vas-y, faut remettre les voiles bien. Ouais. Par rapport au vent, là, parce que, tu vois, elles sont toutes rouges, Ouais, vas-y, bah, je la remets dans le vent, à gauche. Hop, le plus vert possible. Ouais, nickel. Ouais, le plus vert possible. Cette affaire, mon gars. Oh, ok. On n'a pas de canon, c'est dommage. C'est dommage, il n'y a pas de barre là, tu sais, comme dans Sea of Thieves là pour jouer avec le feu. Des... Là, je joue avec le feu. Est-ce que je peux te pousser? Wouh! Wouh! Oh! Il y a un dauphin, gros! Reviens! Attends, j'arrête le bateau! Attends. Gros, y'a un dauphin! Y'a un dauphin, attends. Gros! Il est là! Un grand dauphin! Où ça? Là, il est gentil, mon gars! Vas-y, viens vers moi, t'es où là? Par contre, y'a un espadon, je suis sous l'eau! Je suis sous l'eau, y'a un espadon! Vois plus. Oh, je te vois plus non plus! Gros, je suis derrière! Non, reviens! La vue, je suis en pleine mer là! Mais ben, j'ai arrêté le bateau en fait, normalement! Ah, t'es à 150 mètres, gros, t'es en train de t'éloigner! Ok, alors attends, je vais faire demi-tour. Ouais, fais demi-tour! Il a l'air gentil, exige la compétence. Oh, je pourrais nager avec lui en fait. Exige la compétence taming. Oh, tu peux tamer les dauphins et ah, tout mais pour oui, l'apprivoiser. Ouais. Regarde, je suis là, je vais sauter. Putain, il y a une grosse vague. Je suis dans la grosse vague. Dans la grosse vague. Arrête-toi, okay. La fille, arrête-toi, regarde, je suis là. Mais attends, je peux. En fait, il s'arrête pas aussi facilement que ça. Là, regarde, je suis là. J'arrive. Je sais pas comment mettre la. En fait, je crois qu'on peut pas quand on est pas proche des îles, quoi. Vas-y. Genre, c'est vrai? Putain, j'arrive pas à monter. Ok, c'est bon, je monte, c'est bon. Et genre, on peut améliorer le bateau pour que ce soit vraiment un truc de ouf, hein. Bah ouais, de ce que j'ai vu, mais ça a l'air bien complexe, hein. Ouais, ça a l'air complexe. Ah ouais, fais gaffe, il y a un espèce de gros poisson aussi, là, hein, je l'ai vu. Hein. Ouais, c'est les dauphins, je croyais. Ouais, c'est quoi? Eh ouais, mais on a pas de canon sur notre bateau, on a rien. Bah non, c'est pour ça, on peut pas. Vas-y, réoriente les voiles, on va aller sur une. Ouais, ouais. On va aller tout droit, parce que là, notre île, elle est à droite, mais si on y retourne, ça pourrait être. Ah ouais, ok, d'accord. Encore? Ah ouais, ok. Yes. Regarde, il y a un requin. Oh oui, gros. Il est énorme. C'est un requin énorme. Marteau, je crois. C'est bon, j'ai remonté la voile. Vas-y, il faut que je remonte. Oh non, je remerde, il y a un requin, gros. Oh, c'est pas un requin, c'est un espadon. C'est un espadon. Ah ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est un espadon. Il est où ce trésor? Ah ouais, il est là. Ouais, okay. Vas-y, il est juste devant toi. Il y en a un autre plus loin. Ouais, putain, il y a des espadons, mon gars. Ok, je le vois. Je prends tout. Je m'occupe pas, je prends tout. Vas-y. Oh gros, il y a un truc sur toi. Oh gros, il y a des bestioles. Il y a un gros truc rouge. C'est pas vrai. Non, si, il y avait un énorme truc rouge, je sais pas ce que c'était, on aurait dit un gros saumon. Un gros saumon. Ouais, vraiment, attends, c'est derrière qu'il faut aller. C'est derrière. Où c'est derrière? Là, tu vas à l'avant. Bah, derrière le bateau qui a l'échelle. Bah, il est où le trésor? Ah ouais, je le vois. Ah, le trésor, tu l'as récupéré. Oh, t'as vu le truc rouge à ta droite? Il y en a un autre. Ouais, il y a des espèces de gros poissons là. Vas-y, je vais t'aider au pire, il y a d'autres. Il y a un autre trésor. Ouais, il y a un espèce de gros poisson rouge qui tourne autour là depuis. Mais non, sérieux? Oh, par contre, je vois plus le navire. Ah, si, je le vois. Ouais, oh, il est à 230 mètres le navire. J'ai pas croisé de requin, tu vois. Ok. Il y a une île là-bas en face, t'as vu? Bah, c'est celle où on vient, je crois. C'est celle d'où on vient, ça? Ouais, je crois. On a juste fait un petit tour, vite fait. Par contre, c'est quoi quand tu prends ta boussole, il y a un truc vert. Vert? Ouais, un truc vert brillant sur la boussole. Je sais pas si tu l'as vu. Ah, oui, effectivement. Bah, je sais pas, on peut aller dans cette direction si tu veux. Bah, c'est dans le sud-est. C'est pas la position du vent par hasard parce que c'est vraiment. Ah non, c'est pas la position du vent. Ah non, d'accord, c'est bon. Ouais. Tu me dis quand on est bien, si on est bien là. Ouais, vas-y, tourne. Ah, je vois une île au fond là-bas. Option navire. Tu la vois? Une île? Ouais, regarde au bout, tout au bout là-bas. Tu vois des pics qui dépassent. Devant? Devant, un peu à droite.
Attends, quand on sera au-dessus de la vague, ah ouais. Tu vois là au fond. Alors en fait, t'as vu, la map elle est grande, mais il y a beaucoup d'eau au final. Oui, bah oui, du ouais, coup. Il y a beaucoup d'eau. Hein. Du coup, il y a beaucoup de passages de mer, quoi. Ah ouais, il y a beaucoup de passages de merde, ouais. De mer. C'est pas d'hiver, je dis. Effectivement, il y a beaucoup de passages de merde quand même. C'est vrai, bah ils pouvaient faire une grande map, hein, tu m'étonnes, mon gars. Ouais, ouais. Si, par contre, la mer elle est bien faite. Ouais, la flotte est bien faite. Ouais, franchement, ouais. Elle est bien faite. Un peu à la Sea of the Eve. Ah ouais, c'est un enfer. Tu m'étonnes. Par contre, le vent change un peu, j'ai l'impression. C'est normal, gros, qu'elle est grande la map. Regarde les grands passages de mer, quoi. Les grands passages de merde. Tu m'étonnes qu'elle est énorme la map, mon gars. C'est rempli de grands passages de merde. C'est rempli de grands passages de merde. C'est clair. Ah, et puis en plus on est contre-vent donc on se traîne bah le ouais, sac. Mon gars, no fake, il y en a pour une heure la traversée normal. Ah ouais, quoi. Mais clairement. Clairement. Bah c'est un peu ça dans Sea of Thieves aussi, hein. Quand tu veux aller d'une île à une autre, ouais. Tu mets pas une heure, mais tu mets pour faire la traversée entière, tu mets bien 20 minutes hein, pour faire la traversée entière de la map. Ouais, ça fait un moment qu'on y est là quand même. Prends la barre, tu vas voir, en bas à gauche, t'as toutes les munitions possibles dans le jeu. T'as des munitions de feu, ah des ouais, trucs, d'où. Ouais, et ouais. Du coup, si on avait des canons et tout, bah on pourrait faire des trucs incroyables. Ouais. Mais putain, bon. Le vent, il est vraiment pas avec nous. Hein. Ah ouais, tu peux même tirer des canons et tout. Oh là là, il y a des espèces de gros bateaux rouges là-bas. Je suis sûr, je vais plus vite à la nage, mon gars. Je vais te le dire. Oui, en plus. Je vais plus vite à la nage. Oui, tu vas plus vite à la nage. On te rattrape là. Je te rattrape pas là. Non, regarde. Mon gars. Je vais faire la brasse. Ah, attention. Ah, tu veux me passer dessus, là? Ah non, tu vas plus vite. Dès que tu t'accélères, hop, regarde. Ah ouais. Non. Bah, ouais, bah, le bateau ouais. Avant, regarde où est le bateau. En fait, on va aller, viens, on va aller en nage. Bah ouais, en même temps, on est à contre-vent, donc putain, on va plus vite que le bateau. Bah regarde le bateau, comment il s'éloigne. Bah d'où? Ah bah en même temps, on a à contre-vent. Hein. Écoute, il reviendra tout seul, le bateau. Hein. Ouais, mais j'espère. J'espère on va finir à la nage. Hein. Ouais, c'est voilà. Pas grave. Hein. À moins qu'il y ait des requins, mais bon, pour l'instant, j'ai pas vu d'animaux agressifs. Hein. Ce qu'on a vu tout à l'heure, ils nous esquivaient. Tout à l'heure, on a vu un requin quand même. Ouais, mais t'as vu, il t'a pas attaqué. Oh gros. Ah bah si, tiens, t'en parles. J'ai été tué par un requin niveau 80. C'est quoi ce truc? C'est pas un requin, t'es malade. C'est un requin. Un requin. Mais marteau. T'as vu sa tronche. C'est un requin préhistorique. Ben ouais. Il me fuit. Fuit. Il m'a dévoré en 2 secondes. Oh. Ça se passe comment là? Comment tu veux récupérer quoi que ce soit? Le bateau il est en mer, il vogue tout seul, et nous on est morts au milieu de nulle part.